Le dimanche, c'est le jour de notre rubrique consacrée à l'environnement. On l'oublie souvent, mais l'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde. En Lorraine, quelques jeunes entrepreneurs ont voulu proposer une alternative plus éthique et respectueuse de la nature. Leur marque s'appelle Phoenix et vous allez comprendre tout de suite pourquoi, grâce à Valérie Odile et Mustapha Mohamed. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie d'acheter des vêtements qui ne soient pas polluants pour la planète et qui ne soient pas non plus fabriqués par des salariés sous-payés. Et c'est pas facile. Eh bien, un jeune Lorrain a eu l'idée de créer sa propre ligne de vêtements avec des tissus qui sont entièrement recyclés. Le logo résume à lui tout seul l'idée que Benjamin Martinez se fait du vêtement éco-responsable. Comme le phénix, ces polos renaissent aussi des cendres. En fait, des cadavres de bouteilles plastiques, il en faut 7 pour faire la partie extérieure du polo, plus 80 g de fibres végétales pour l'intérieur, et seulement 75 centilitres d'eau, contre 2 litres pour un polo classique en coton. C'est un besoin personnel à la base. Le fait de vouloir mieux consommer, mieux impacter, et de ne pas trouver vraiment d'offres qui correspondaient à mon besoin et ma demande, je me suis dit que je ne vais pas être le seul à vouloir consommer un peu plus local, éthique, bio. On peut chez soi essayer de mieux manger, mieux consommer, faire ses cosmétiques, ses produits d'entretien, etc. Mais quand on sort de chez soi, on est bien obligé de s'habiller. Pour éviter les matières premières venues du bout du monde, Benjamin a donc choisi de travailler avec un fabricant français qui achète, dans une usine à la frontière italienne, du fil plastique issu de bouteilles recyclées venant en partie de France. Ces bouteilles vont être triées dans un premier temps. On va obtenir en fait une matière première, une fois découpée, qui est sous cette forme-là, de copeaux, qui va être refondue. Tout simplement pour obtenir ces petits pelets qui vont nous servir comme matière première à faire notre fil, tout simplement. Et tout ça, c'est fait dans un rayon de 80 km, de la collecte à la fabrication du fil. Et bien sûr, le reste est tricoté dans nos usines, dans la Loire. À la matière plastique tricotée sont ajoutées des fibres d'eucalyptus, provenant de forêts portugaises exploitées de façon durable. Et pour réduire encore les émissions carbone, Benjamin fait fabriquer son polo par une entreprise d'insertion locale basée au nord de Nancy et qui adhère totalement au développement durable. En fait, la question, elle est bien là. Hein. C'est de se dire comment on peut faire autrement, comment on peut refabriquer autrement, relocaliser les fabrications avec moins d'impact environnemental et surtout la préoccupation aussi sociale. Le logo, lui, est cousu dans l'atelier des talents à Metz par des personnes en situation de handicap. Ça permet de mettre en avant des personnes qui peuvent être quelquefois mises à l'écart ou discriminées ou autres. Et là, l'idée, c'est dans la même démarche de revaloriser des produits qui sont sous-estimés ou dévalorisés. Bah, là, on permet de mettre en avant des personnes qui sont des fois un peu catégorisées comme différentes. Ainsi, le polo écolo a pris une dimension sociale. Et c'est justement ce qui a plu à Alessandro, l'un des premiers clients de Benjamin. Il est super souple, super léger. Que ce soit le côté inclusif, que ce soit le côté participatif, que ce soit le côté écolo, je me suis retrouvé dans ces valeurs et j'ai dit c'est parti, j'y vais, je les soutiens et je le regrette absolument pas. Car faire local, social et écolo, cela a un coût. 70 euros environ le polo. Mais cela ne freine pas les acheteurs qui ont explosé les préventes sur Ulule. De quoi ravir Benjamin qui a d'autres projets en tête. Ah, il y a d'autres projets comme le sweat là par exemple que je porte qui est 100% recyclé, 100% recyclable et on réfléchit à travailler sur des chemises, des jeans, des chaussures. De quoi réutiliser une partie des 25 millions de bouteilles d'eau plastique consommées chaque jour en France. Voilà, et si vous souhaitez vous aussi prendre part à cette initiative, sachez que Phoenix est également présent sur une plateforme de financement participatif.